Shalom leiboy na boy, Hashem lo yishmari. L'islam est apparu dans un environnement scientifiquement et culturellement primitif. Un environnement de mythes, de fables et de falsifications idolâtres. Pour expliquer tout phénomène à cette époque, la pensée scientifique dominante était la pensée aristotélicienne. Elle était elle-même une pensée superstitieuse, bien sûr. Et bien entendu une pensée superstitieuse pour nous, de par ce que l'on sait de la science moderne, comme nous l'avons expliqué dans l'épisode précédent. Mais cette pensée superstitieuse était LA science à cette époque. Toute cette science aristotélicienne est pour nous aujourd'hui dépassée, elle est même drôle à lire car on sait que c'était des mythes. Sauf que le noble Coran a été révélé à cette époque, dans cette culture, et parlé de faits scientifiques, médicaux, cosmiques, etc. dans plus d'un millier de versets. Où veut-on en venir ? Si le Coran venait d'un autre qu'Allah, il aurait copié la culture de cette époque avec tous ses mythes scientifiques. Et nous aurions aujourd'hui des erreurs scientifiques manifestes. Mais étonnamment, les chercheurs ou les spécialistes de l'islam, avec toute leur attaque sur l'islam, n'ont pas pu trouver un seul verset qui contredit un seul fait scientifiquement prouvé. Ceci est une preuve en soi pour chaque non-croyant, athée, chrétien, juif ou autre, que le texte coranique est divin. Comment un livre sorti il y a plus de 1400 ans peut-il contenir plus d'un millier de versets qui traitent des questions scientifiques sans aucune contradiction avec la réalité d'aujourd'hui? Les athées ne peuvent pas trouver une seule contradiction dans ce livre. Ne méditent-ils donc pas sur le Coran? S'il provenait d'un autre qu'Allah, ils y trouveraient certes maintes contradictions. Il est encore plus surprenant que toutes les solutions et explications aux problématiques scientifiques qui ne sont pas encore résolues s'approche de l'explication du Coran. Car nous le rappelons, la science moderne n'a pas réponse à tout. Le noble Coran n'est pas seulement sans contradiction, mais il mentionne également des explications. On a bien dit, il mentionne. Il mentionne également des explications aux problématiques scientifiques. Certaines de ces problématiques n'ont jamais été traitées auparavant ni par la science, ni par des idéologies, ni par la philosophie. Ces problématiques n'ont été résolues que récemment. Première problématique, l'origine de l'univers. Les gens pensaient que l'eau primordiale, à la vie de chacun, était l'origine et même la source de cet univers. Cette conception a été celle des Sumériens, Babyloniens, Cananéens et les Égyptiens au temps de Pharaon. C'était la culture du Moyen-Orient. L'eau, primordiale à la vie, est le premier matériau de la création, selon leurs croyances. Dans le mythe sumérien, Naamu est la source de l'univers. Naamu signifie littéralement eau primordiale, l'eau est la source de cet univers selon le mythe sumérien. Dans le mythe babylonien, Tiamat est l'eau dont le monde est issu. La même conception se retrouve aussi dans le mythe pharaonique. Nun, l'eau, est la source de cet univers. Dans le mythe cananéen, l'eau primordiale est appelée Yem. Cette même notion a été retrouvée dans les mythes de l'Inde et du Japon. C'était la culture des civilisations antiques. Même les interprètes bibliques ont véhiculé cette notion. Et les philosophes grecs suivaient le même principe. L'eau est le principe de toute chose, comme disait Thalès de Milet. C'était la croyance du monde à cette époque. Ensuite, le Coran a été révélé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et nous a indiqué que l'univers était de la fumée et non de l'eau. Il s'est ensuite adressé au ciel qui était alors fumé et lui dit, ainsi qu'à la terre, « Venez tous deux, bon gré, mal gré, tous deux dire, nous venons obéissant. » Le fait que l'origine du monde soit la fumée confirme que cette fumée vient d'un objet enflammé. C'est une information qui n'a été dite que par la science moderne, et personne ne l'a dit avant, excepté le Coran. Ces étoiles, ces planètes, étaient toutes de la fumée avant d'apparaître. La substance des orbites dans le ciel est de la fumée, non de l'eau. Nous répétons le verset, il s'est ensuite adressé au ciel qui était alors fumé et lui dit ainsi qu'à la terre, venez tous deux,
bon gré, mal gré, tout de dire « nous venons, obéissons ». La fumée est une densité gazeuse résultant d'un objet qui brûle ou explose. C'est exactement la description scientifique du début de l'univers, des étoiles et des orbites. La fumée cosmique est toujours présente jusqu'à aujourd'hui. Elle se condense pour que les étoiles apparaissent. C'est donc une preuve scientifiquement rationnelle. Le site de l'observatoire spatial Herschel mentionne que le nom le plus approprié pour parler de ce qu'on appelle la poussière cosmique est en réalité fumée. Ceci est la description propre au Coran de l'origine de l'univers et personne ne mentionnait cela avant. Il est fait de fumée et non de l'eau. De quoi se demander comment font les athées ou en général les ennemis de l'islam? Personnellement, je comprends leur peine. Eux qui essayent de trouver un moyen d'effacer les preuves de cette religion, mais au contraire, ils n'effacent que leur cœur. La vérité n'est pas affectée, quelle que soit la façon dont on rafistole le mensonge autour d'elle, même avec 1000 rafistolages. La vérité restera vraie, le mensonge restera faux. Deuxième problématique. Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Le ciel, nous l'avons construit avec des mains et nous l'étendons constamment dans l'immensité. » La base de la relativité générale d'Einstein est que le ciel est construit. Oui, le ciel est construit. Et l'espace-temps, entrelacement de l'espace et du temps, forme un véritable tissu sur lequel tournent les corps célestes. C'est ce que Einstein lui-même a dit dans son article sur la relativité générale qu'il a écrit en 1916. Il a littéralement dit « Le ciel n'est pas qu'un espace. Ce n'est pas seulement un écran dans lequel apparaissent des corps célestes. Le ciel est plutôt une infrastructure. » Ce sont littéralement les mots d'Einstein. Une infrastructure affectée par l'énergie et la masse. Donc, le ciel est construit. Et aujourd'hui, c'est scientifiquement prouvé. En 2016, 100 ans après l'article d'Einstein, l'ondulation des ondes gravitationnelles sur le tissu de l'espace-temps a été avérée. Cette découverte a remporté le prix Nobel de physique en 2017. Le ciel, donc, n'est pas un écran ni un espace, comme on pourrait l'imaginer, mais c'est plutôt une construction. Est-ce que le ciel s'étend? Jusqu'à l'époque d'Einstein, les gens pensaient que le ciel était statique. Il ne rétrécit pas, ni ne s'étend pas. Un univers statique. Même Einstein a lui-même soutenu cette hypothèse. Mais en 1929, quelque chose a changé à jamais notre vision de l'univers. La science a découvert que l'univers s'étend. Le ciel s'étend. Cette découverte étonnante a été repérée par le télescope Hubble. Aujourd'hui, cette découverte est considérée comme une donnée scientifique avérée. Il existe même une loi qui permet de mesurer l'expansion de l'univers ou la distance par rapport à une galaxie, appelée la loi de Hubble. C'est donc un fait scientifiquement incontestable, comme l'a dit l'astrophysicien Andrew Little. Einstein a admis que la notion d'univers statique était la plus grande erreur scientifique qu'il ait commise. Albert Einstein reconnaît sa propre erreur, alors que le Coran est descendu infaillible il y a 1400 ans. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. Troisième problématique. Les rayons du soleil en pénétrant dans l'atmosphère terrestre lors du lever du soleil réchauffent la surface de la Terre par rayonnement. Ainsi, cette chaleur de la Terre se transmet à l'air par convection. Cette air, au fur et à mesure que sa température augmente, se dilate et donc sa densité diminue et se déplace vers le haut. Ceci est un principe physique où les corps les plus chauds remontent toujours à la surface, par exemple la fumée, dont la notion secouriste de se mettre au sol lors d'un incendie afin de ne pas respirer l'air de la fumée. Et l'air frais se retrouve toujours à ras du sol. Donc, l'air qui monte vers le haut le matin provient de la respiration de tous les êtres vivants de la veille. Ce phénomène étonnant se produit chaque matin. L'air de la surface terrestre est remplacé par un autre air frais. Ce processus est scientifiquement connu sous le nom de la circulation atmosphérique, comme si la Terre était un énorme poumon qui respire chaque matin. Et le Coran a mentionné cet impressionnant phénomène scientifique. Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Et par l'aube, quand elle exhale son souffle ». Et c'est littéralement ce qui se passe. La Terre respire chaque matin comme les êtres vivants. Elle expulse l'air contenant du dioxyde de carbone vers le haut et cet air est remplacé par un air frais et bon. Dans le prochain épisode, Inch'Allah, nous parlerons d'autres versets et de nouvelles preuves de la véracité de cette religion. Assalamu alaikum.
آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner pour ne pas manquer nos futures vidéos, à partager et à laisser un pouce bleu.